Et bien sûr à tous amis, c'est Info, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux applications gratuites que je me sers depuis un petit moment qui va vous permettre de vous informer de toutes les actualités sur l'high-tech. Commençons par la meilleure car elle propose des concours chaque semaine, donc ça c'est plutôt cool. L'application se nomme AppSystem, elle est disponible que sur iOS, dommage. Elle vous propose toutes les dernières actualités sur Apple, donc sur les dates de sortie d'iPhone, sur les retards, voilà ce qu'Apple dépense par exemple pour un écran sur l'iPhone X, voilà etc etc. Donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui sont fans d'Apple. L'utilisation de l'application est très simple, vous l'ouvrez et vous arrivez directement sur toutes les dernières actualités de chez Apple. Donc là la dernière actualité c'est iPhone X, coque et protection d'écran précommande ouverte. Donc si on clique dessus on a un petit article qui résume voilà tout ce qui est tout ce qui concerne le titre. Donc en haut à droite on retrouve une petite cloche, donc si on clique dessus on retrouve tous les concours. Donc là il n'y a pas de concours mais ça va arriver très prochainement, ils en présentent toutes les semaines, je vous l'ai dit. Ensuite dans l'onglet gagnant on retrouve tous les gagnants des concours, donc avec leur nom, ce qu'ils ont gagné et la date. Et dans l'onglet photos on retrouve donc toutes les photos des gagnants qui ont souhaité mettre les photos en avant pour montrer ce qu'ils ont gagné. Ou voilà pour prouver voilà ce qu'ils ont gagné tout simplement. Donc on va faire fermer. En haut à gauche on retrouve trois petites barres ou trois petits carrés. Donc si on clique dessus ça nous déroule un volet qui va voilà nous montrer plusieurs catégories. Donc on a à la une mon compte favori, shop system, keynote et contact. Donc ça c'est un onglet que je me sers pas du tout. Pour moi ça me sert pas du tout. Après peut-être pour vous ça vous sert mais pour moi voilà je m'en sers pas du tout. Donc voilà vous l'avez vu c'est une application vraiment qui a pas grand chose dessus. Mais c'est très simple utilisation, ça nous présente pas mal de choses. Surtout qu'il y a des concours donc ça je pense que ça va plaire à certains d'entre vous. Voilà donc vous l'installez, vous l'ouvrez, pas d'inscription, rien du tout. Pas de pub à part pour les concours. Passons à la deuxième application se nommant Culture Geek. Une application qui est disponible sur iOS et Android. Cette application va vous permettre de vous avertir sur tout ce qui est en rapport avec l'high-tech, mais vraiment tout. Là, c'est pas basé que sur du Apple, mais c'est basé sur toute l'high-tech. Malheureusement, cette application ne propose pas de concours, donc c'est bien dommage. Pareil, quand vous rentrez dans l'application, c'est très simple. Vous arrivez directement sur toute l'actualité qui a un rapport avec l'high-tech. Donc là, on a de la Wi-Fi, de la Netflix, on parle de l'Australie, de Facebook, on parle vraiment de tout. Donc c'est super bien, c'est super simple utilisation. En bas, tout en bas, on a plusieurs onglets. Donc là, on est sur l'onglet Internet, donc l'onglet avec toutes les dernières actualités. Ensuite, on a l'onglet Favoris, l'onglet Twitter, l'onglet Bon Plan Live et l'onglet Donation qui nous permet de faire des dons pour l'application qui va aider les développeurs à développer encore mieux l'application. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Si vous souhaitez installer l'application, je vous mets 3 liens dans la description de la vidéo, donc 2 liens pour l'application Culture Geek, donc pour Android et iOS, et le dernier lien pour l'application AppSystem qui est disponible malheureusement que sur iOS. Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à plus pour une future vidéo. Salut !